Salut, salut à vous, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Une fois de plus, on se retrouve et c'est pour vous partager une information très cruciale. Clash va faire un direct pour expliquer l'origine des cicatrices sur son pied. Abonnez-vous pour ne rien manquer, surtout abonnez-vous pour ne pas manquer à nos analystes. Et si c'est déjà fait, on commence. L'épisode 6 de Bachelor, qui a été diffusé sur Canal Plus Pop depuis samedi, a délié vraiment les langues. Même les gens qui ne parlaient pas ont fini par parler. Tout était moche. L'organisation, les scénarios, les scènes étaient bien. Mais maintenant, le problème de fond était moche. Il y avait beaucoup d'injustice. Nous ne parlons pas de la décoration. La décoration et tout, vraiment, s'il faut le dire vrai, et Emma Loès a réussi la décoration de sa série. Mais l'idée originale, la façon dont on développe l'idée originale, vraiment, il y a beaucoup de manquements. Et nous nous rappelons donc samedi là, quand Linda, Zenap et Samira sont allés en date. Lorsque les trois ont fait leur jeu pour qu'une personne remporte le date privilégié avec Clash, malgré le fait que Linda a remporté, on a tout fait pour amener plutôt Samira. Samira et Clash maintenant sont allés dans les lagunes, consommer des fruits sauvages, aller maintenant se coucher sur le sable. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'ils sont couchés, Clash avait porté un short, un demi-short avec un t-shirt. Et lorsqu'il s'est coupé, s'est couché, ses tibias étaient dehors. C'était bourré de cicatrices. Alors les internautes ne sont pas restés tranquilles. On a reçu les commentaires, les messages qui nous demandaient réellement de quoi est-ce qu'il était question. Nous-mêmes, on était surpris. Mais puisque nous, on a la possibilité d'écrire à Clash pour certaines clarifications, moi, personnellement, j'ai écrit à Clash. Quand j'écris à Clash, il faut mieux savoir de quoi est-ce qu'il a été question, pourquoi la production n'a pas décidé de cacher ses tibias, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un maquillage pour cacher ses cicatrices. Lui-même, il était surpris. Ça veut dire après le tournage de la série, ils n'ont pas eu le temps de regarder, de trier certaines parties. C'était le vite fait, quoi. C'était le vite fait. Et là, alors, l'information cruciale, c'est que Clash doit faire un direct pour expliquer l'origine de ses cicatrices. Vraiment, tel qu'il nous explique par message, il nous dit qu'il a connu que l'enfance n'était pas facile et tout, avant qu'il ne parte en Turquie pour apprendre la comptabilité. Les choses n'étaient pas vraiment faciles. Mais nous avons juste sollicité vous donner cette information. Il fera lui-même un direct pour mieux expliquer l'origine de ses cicatrices. Mais déjà, quant à moi, à mon humble avis, je pense que soit l'équipe de maquillage, l'équipe de mise en place aurait dû maquiller ses cicatrices pour rendre la série plus belle. Ou bien l'équipe de production aurait dû filmer de telle sorte qu'on ne présente pas ses pieds tachés de cicatrices. Ce n'est pas bien puisque la série est faite uniquement pour se distraire. Alors pour se distraire, il faut que ce soit du beau, de l'agréable. Lorsqu'on présente un homme comme lui, qu'on dit c'est un milliardaire, il a beaucoup de palmeraies et tout, c'est un bachelor et tout. Et que bien après, on voit les pieds tachés de cicatrices. On a l'impression que c'est un vieux bandit. Je n'ai pas dit que Clash c'est un vieux bandit, mais c'est l'impression qu'on a. Moi, je pense que l'équipe de maquillage ou de production aurait dû tout faire pour cacher cela. C'est mon avis. J'attends vos avis en commentaire. Lorsqu'on regarde la vidéo en commande, ceci c'est pour améliorer l'interaction entre nous. Nous faisons tout pour vous donner la bonne information. Nous échangeons avec certaines bachelorettes pour vous donner certaines versions d'informations. Même si elles ne peuvent pas officialiser, mais elles prennent quand même de la peine pour nous expliquer ce qui doit se passer. Et nous les partageons aussi avec vous. Laissez toujours vos avis en commentaire.